Malo, comment elle est? Elle est bien. Ça va? On rigole. Parce que là, Toto la mettait au pouf et aux oignons. Hein? Ben, comme d'habitude, manœuvre. Comme d'habitude, manœuvre. La monnaie couteau coupe la graisse. Quoi, il coupe pas la couteau là? C'est la poisson, une femme amène les miennes. Okay, il veut tout ça, couteau, il coupe ici là. Ben, il vient acheter un paquet de couteaux. Il a passé à couteau, badon. Il a mal trappé. Il a passé à couteau, badon. Il a passé à couteau aussi, badon. Tout le monde en a un instant. Mais toi, tellement un tablier, il ne doit pas connaître trop le prix. À cause. Parce que quand même, il met un tablier, comment qu'il s'attrape le couteau, il voit ce côté, il coupe. Ah bon? Ah ben oui. Mais Toto, que ça arrive, non? Mais eh, mon c'est trap, couteau, il va pas s'écouter, quoi. Là, c'est droite. Ça, les droites, là, hein. D'accord, les bons, là. Quand on met le tablier, là, il faut faire valoir le tablier. Pour le monde, il est à la hauteur, le tablier, là. Les bons, les bons. Qu'est-ce qu'il fait ce soir, Malo? Normalement, on a un gars, il se chisse pas. Rogat et saucisse poulet. Oui. Exactement, papa. Mais un rôti coq aussi. Voilà. Et puis, nous, on a des camarades qui viennent de la plaine des palmiers qui arrivent. Ben, ça fait un rôti à pâte cochon. Ah, ça, nous, là, un rôti partout, là. Ben, oui, il faut croire, hein. Nous, va voir, ben, hein. Bon, mais Rogat et saucisse, c'est un plat, les sûr, ça. Parce qu'on a des amis qu'on l'a invité. Ben, là, ils sont en France, ils arrivent, l'envie de manger Rogat et saucisse. Famille, hein. Ben, à cause ça, de monde qu'ils sont en France, ils arrivent à la Réunion, l'envie de manger Rogat et saucisse. Mais c'est un plat typique, la Réunion, donc, de mon IM. Après, le saucisse. Si c'est en Belgique ou bien... Les pas pareil. Bon alors, ok. Bon, ben, bon, un instant, ça va, parce que tout toi, dis-moi comme ça, il perd pas les temps, il s'est mettre le saucisse bruit. Oui, Mathieu dit comme ça, il s'est mettre son saucisse bruit, mais... non, là, dis-moi comme ça, corrigez-moi tout de suite, hein. Il s'est mettre le saucisse bruit. Son saucisse fait une bruit. Ça fait une bruit. T'es un là. Mais là, ça saute pas, mais on nous retrouve un instant à côté le feu là-bas, allez, bon. Ok. Donc, là, ça nous demande à cause, ça. Je suis pas un compte avec ça. Hein. Pas un compte avec ça. Et bon alors, ok. Ça c'est bonne saucisse alors. Ouais. Saucisse porc, hein. Ouais. Là, dit mélange pas saucisse porc et saucisse poulet aujourd'hui, hein. Ouais. Ben, hein? Mais ça c'est un grand classique, ça saucisse là. Ah, hein? Mais il dit porc, mais il dit plutôt cochon même. Du cochon même alors. Hein? Ça fait bouillir lui là. Mais là Malo, Malo, il est là. Là, on m'a les bruits. Ben, Patrick aussi arrivé. Patrick, comment ça va? Ça va. Ça va où l'enjeune aujourd'hui alors? Oui, l'enjeune. Eh, je dois dire alors. Ben. Tu connais, il n'y a pas grand chose pour faire aujourd'hui. Pour ça, plutôt l'enjeune aujourd'hui. Hein. Mais Naouga et saucisse, les rôti coq, les rôti, la pâte cochon de Mouni arrive, t'as l'air. Hein? Ben. Tu as au moins le tablier. T'as aimé son tablier? Ah, ben, fais valoir, il prend le tablier. Mettre là, il ne fait pas valoir. Donc. Les bons pâtes, ils le tablier. Tu sais, on l'a envoyé du rôti au tablier. Ah, ça les voit alors? Ben les bons. On en a toute qualité. Toute qualité établie, on est là où? Attends, regarde, nous c'est pour un autre bar. Non, il y a un autre moyen à venir. Il y a un tablier pour danser rock aussi. Danser rock? Ben. Et Malo, t'explique où t'as là, où la vu, la quantité de légumes est là, où la vie la particularité d'aujourd'hui, les légumes, tout en sachet comme ça. Hein, tout est déjà préparé. Hein, vois, 2 euros, 1,90 €. Là, il y a un petit sachet, 1 euro. Hein, ça, c'est un petit espace recher à Cambuston là-bas. Et qui fait ça, il a une bonne idée de mettre tout sous sachet comme ça. Après, il fait propre. Aussi, hein. Il fait propre qu'on trappe là, hein, où ça lit pas. Et puis, tout le monde, il y aura, oui, dans l'espace de chair, tout le monde met la main dedans, hein, oui, oui, dans le oui, tomate, oui. Par exemple, hein, ouais, ouais. Pour que les pas, ou que les pas, s'il fait la veille avant, ou bien. Non, non, en fait, le bon. Pour Riou, pas la veille. Non, d'accord, en fait, le bon tomate là, elle nous a dit de bêtises, là. Le bon tomate là, quand il est cher, ben là, il triche avec le moins cher. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut tous les tomates. Ah bon, donc voilà, là vous n'avez pas tous les tomates parce que toutes les sous un petit sachet plastique. Et puis après les plus pratiques aussi, toutes les déjà pesées et tout. Oui, on arrive oui. Au trap, vous connaissez où ça va, où ça parle, allez mettre dans un petit panier, dans le panier comme longtemps tu es fait. Après, mais non, quand tu fais, hein. Gagne du temps aussi, hein. Gagne du temps. Voilà, hein. Temps, chaud. Voilà, hein, voilà, l'espace fraîcheur comme Buston. Voilà, ouais. Voilà, dit comme ça, hein. C'est bon fraîcheur, ok, fraîcheur. Allez, ben, c'est parti alors.
Pasteur, c'est où ça fait revenir le coq alors? Hein, pour le rôti coq. Hein? Jusqu'à présent, c'est des plats que nous connaissons tout le temps. C'est un rôti coq, un caille saucisse et tout ça. Donc tout à l'heure, Nanmoun arrive, ça fait un rôti, la pâte cochon. Un rôti pâte cochon. Voilà, c'est bon. Pied de porc, excusez-moi, pied de porc. Patrick, quelle huile vous avez utilisé là? L'huile de colza. Hein? Ben, par défaut, parce que l'on avait toute une huile, machin. Là maintenant, on trouve bien que c'est de là. Mais quand même, hein, à 4,50€ m'a trouvé. Hein? 4,50€, donc c'est cher, non? Ah ouais, ouais. Peut-être qu'un jour de l'huile va baisser. Mais vous connaissez, ça c'est comme les acquis sociaux là, ça. Quand la montée là, il baisse plus. Hein? Ah, mais quoi, hein? Bah, il va baisser. Ah, il baisse plus, hein? Ouais, ouais. Mais qui sait qu'on est peut-être? Bon, vous savez revenir avec le coq ou là? Hein, le coq est là. Hein, Toto a fait une nettoyer Ali. Daniel l'a tué tout à l'heure. Ah. Hein, il fait revenir Ali comme ça avant, après mettre des épices dedans pour le rôti alors. Oui. Voilà. La tomate pour vous aussi, ça. Ouais. Là, la fois, il vient donc bien mettre un peu de siave. Il n'y a pas de siave. De siave, hein? C'est bon. Tu le gars, tu as poil? Ah, mais pas de pâte. Le pâte. Parce que voilà, ici, tout le couteau ne coupe pas. Là, on a vu comment il coupe le couteau à l'instant. Il passe pas un coup. Hein, il te coupe de bois. Mais il faut que l'outil t'es bon pour coupe de bois. Donc pour repasser. Ça va et vous? Mais comment est-ce que maman n'a pas 18 ans avec un verre? Parce que Millefier présente Azote aujourd'hui, le premier verre Canal Austral. Le verre Canal Austral? Ben oui, il a écrit Canal Austral dessus. Hein? Ah bon, d'accord. Bientôt on vend partout, n'hésite pas. Écoutez, les papres, ils ne vendent pas le verre, nous ici. Nous fait le verre, mais ne vendent pas. Ah, que c'est la rondée ici. Non, mais pareil. Pareil. Ouais, un petit peu. Mais après, on a d'autres choses aussi, comme ils voient là, non? Hein? C'est les petits sous-verres. Ça, c'est des sous-verres. Ouais, comme ça, quand tu viens, tu poses le verre dessus, comme ça. D'accord, les bons. Ouais. Ça vient de l'eau, ça? Oui. Hein? Oui, oui, ça vient de l'eau, ça. Hein? Ouais, ouais. Voilà, bien citronnade. Hein? Mmh. Hein, et ça, c'est quoi, cette bonne bouteille comme ça, là? Hein? C'est à consommer avec beaucoup de modération. Ça, c'est le rhum arrangé de Mamie Charlotte. Voilà. Hein? Tu dois la mettre dans les bouteilles avec écrit le nom dessus. Hein? Parce que là, la Mamie regarde un petit peu. On a du rhum Bissap, du rhum Murier et du rhum Jabot Tikaba. Voilà, à consommer avec modération. Hein? Et où déballe même, là? Ah, c'est les verres, ça. Alors, on a des verres aussi. Et à haut, il écrit toujours Canal Austral dessus. Ouais, tu joues avec le Canal Austral dessus. Mais bon, hein? Mais qu'il y a alors? Oui, il dépend de degré de soif. C'est d'habiller la soif, je prends de l'eau là-dedans. Ouais. C'est la moins soif dans l'autre. Ouais. Notre machine à eau, ici, elle tombe en panne. Voilà. Heureusement, nous, on a une entreprise qui travaille avec nous. Il s'appelle Domo. Oui, oui. Vous connaissez Domo que ça a fait, nous? Regardez-moi. Elle a fait à nous, elle installe un petit robinet. Et ici, voilà le petit robinet sur l'évier. Voilà. Les filtres en dessous. Et ensuite, tu as besoin de l'eau maintenant, vous acheter de l'eau en bouteille. On a de l'eau filtrée. De l'eau filtrée. Voilà. Hein? Mais là, ça fait le gros, ça, non? Hein? Eh ben, dis donc. Hein? Bon, mais ça fait la cuisine, hein? Allez. C'est bon? Ok. Alors, on s'y avance, hein? Là, c'est pour ça qu'il faut mettre dedans le thym. Tu mets tous les épices dedans? Oui. L'ail, l'oignon, non? Ouais. Poivre. Poivre. Adjiron, c'est tout alors? Et là, on va mettre un petit peu de l'eau dedans, on va mettre un petit peu de l'eau pour cuire déjà. T'as fini alors? Ah ben ça va vite alors. Ah, elle est bon. Et le rougail saucisse un instant. Et là nous avons invité l'arrivée là-bas de l'autre côté. C'est pour le pâte cochon. Ah, c'est un instant. Ouais. Ah, c'est le saucisse poulet ça. Ouais. Là il bouille même de filmer toutes les épices dedans. Non, pas encore. Pas encore? Parce que ça va vite ou? Là-bas elle a fini? Non, pas encore. Pas encore aussi? Mais toi le dos fini. Hein? Elle est bon.
Vous l'avez vu, on a comment elle est, hein? Mais tourne dodo un coup, elle a fini. Non, mais là, la vie s'est faite, donc. Voilà. Et là, où là ça fait un peu légumes. Hein, parce que nous, on a Dangerous avec nous, hein? L'artiste, hein? Dangerous. Hein? Ouais, Dangerous, il y a un coup. Et lui, il est vegan, donc il ne mange pas la viande. Il mange que légumes. Hein? Donc, ça fait un petit sauté pour lui, comment ça se là? Je vais voir un petit sauté. Oui. Sauter. Dans du rose. Hein? Alors, ben là, on cuisine l'autre côté là-bas, là, tu vois, comme ça. Et ça fait un petit sauté de légumes pour vous. Avec plaisir, on va bien vouloir goûter un petit sauté de légumes. Qui ça prépare ça pour nous? Toto. C'est Toto le cuisinier. Toto, le cuisinier. Cuisinier. On adore cuisiner, hein, mais cette fois, c'est Toto qui colle ali, à la cuisine comme ça. On sauté de légumes comme ça, elle est bon. Sauté de légumes pour moi, elle est bon. Il y a un petit grain, un petit sauce piment. Un petit grain à côté, inquiète pas là. Piment aussi, bien sûr. Où il y a un sauté de légumes avec un petit peu façon indienne, c'est-à-dire avec un petit peu de silon dedans, tout ça, ou bien vous voulez plus sauter les légumes façon chinoise. Façon Toto, en mode comme. Ah, mais dis Toto, fais comme l'hiver. Fais comme l'hiver. Allez, bon. Ah, ou Toto, faut pas dire des fois, fais comme l'hiver. Ah, c'est un fruit long ça. Pas trop, trop, trop épicé, ça, mon pas trop épicé. On connaît quand il passe à la douane, un peu comme il est. Les bons, là, Dangerous. Les bons, ok. Ah, c'est pas un peu là. Ah, bon. Après, le four, bon, aussi, le four. Bon, Jacques, ça va alors, hein? Tu t'en sors, hein? Jacques est au four au moulin, lui, là, hein? Avec l'artiste Dangerous qui est en train de l'enregistrer, là. Hein, voilà. Un peu le grain, alors. Voilà. L'ail. De sel. Des oignons. Des oignons. Des poivre aussi, un petit peu. Oui. Voilà. Après, mettre le grain dedans, hein? Voilà. Mettre pas le thym, non? Mais, Monique, comment il est? Allez, là, moi, ça va, moi, comment il fait? Hein? Parce que lui, là, il fait le même procédé que moi. Même pareil que vous, quand il fait les grains? Hein? Même pareil que vous? Pareil. Hey, pareil, vous l'avez fait un rôti la pâte cochon? Moi, fait, oui, un curry de pâte cochon. Curry de pâte cochon, vous l'avez fait? Fini, il reste juste pour chauffer. Il reste juste pour chauffer. Mais bon, réchauffer derrière, hein? Là, le grain est dedans. Comment avec le doigt? Maintenant, on gagne ceci sur le côté là-bas. Aussi, hein? Voilà, hein? Et après, elle a fait aussi un peu de. On gagne ceci, c'est pour ça qu'elle fait. Ah, un rôti-coq, elle a fait un peu le rôti-coq. Regarde, bien fait là. Bien dedans. Hein? Attention. Voilà. Waouh. Hein? Et top, hein? Vous l'êtes bien ou? Je l'ai bien. Hein? Surtout pour moi, surtout pour le moment, les gars. Toujours. Rôti-coq. Il brille. Je ne veux plus perdre de temps. Habiter sous le même toit, se réveiller dans tes bras, sous les mêmes draps. Promis, je ne te ferai jamais du mal. Attends-toi, passer là-bas. On peut recommencer, s'il te plaît. Prépare les oignons tout alors. Hein, parce qu'un gars saucisse sans oignon n'est pas bon. Non, la poêle gros piment. Hein, la poêle gros piment. Hein, mais fallait te dire mon manœuvre, tu connais pas, moi. Pas imaginé. Il manque un petit peu de sel. Là, malatoire le dos, les films mettent des oignons, je vais mettre tomates dedans. Dis-nous pas vu rien au gars saucisse, Monique. Hein? Non, on n'a pas vu. Là, il m'a goûté. Il m'attrape mon doigt, il m'a suce mon doigt pour goûter le rougail saucisse. Il manque de sel. Ben, il m'a dit, merde, mettre de sel. Bien sûr, t'es gentil. Bon, d'accord, d'accord. Non, mais on sait. Mais demande, hein. Ah, il n'y entend pas d'autre, moi. Toto, on est bon là, le rougail saucisse, c'est bon. Voilà. Un rougail saucisse, c'est pas compliqué de faire un rougail saucisse, hein. Ça, c'est manger longtemps, tout le monde y fait. Vous faites revenir les saucisses, vous mettez les oignons dedans, puis après, vous mettez les tomates dedans, hein. Ben, c'est bon. Pas plus que ça, hein. T'inquiète pas, il y a sûr, la télé, mais moi, tu manges, mais sans moi. Alors aujourd'hui, moi, nous fais un tour à midi. À soir, moi, elle est là. Bon. Ah non, mais là, ma pas. Patrick, regarde, la retouche finale. Ben. Ça le touche. Moi, il veut soit oignon, soit persil. Pour moi, au fin de donner. Toto, lui, c'est l'ardoise. Ah bon? Ça l'a créé alors. L'ardoise, la craie et l'éponge. Donc, c'est le premier rôle, l'ardoise. Ah, mais bon, alors. Là, c'est la saucisse poulet, alors. Hein. Voilà. Celui est un peu timide. Hein. Ah, il est un peu timide, lui. Ben, tu fais réserver. Ben. Ça l'air à ton vie, c'est timide. Pas de quoi vivre, comment on y a Macha, on le connaît ou bien, hein? Ouais. Monique. Ça l'air à ton vie, c'est timide. Qui? C'est avant, après? Avant de manger ou après? Après. Ah bon? Après. Ma voix, c'est l'éponge bien. C'est pour Sonia. S-O-N-I-A. Tu vois, séance d'autographe, hein? Et pas sur n'importe quoi, c'est quoi? Bientôt en vente aussi.
des surveillances de Canal Estral avec l'autographe de Dangerous. Hein, c'est ça hein. Voilà. Séance d'autographe. Fais pas les choses à moitié ici. Ah ben non, pas du tout, pas du tout. Alors Monique, là où ça chauffe ou de carré, qu'on la feuille de case. Hein? Eh, ça dit qu'on n'est pas, hein, pas du tout moment. Donc ici, là, hein, il fait cuire carré ici. Ah oui. C'est la première fois qu'on hein, vient ici, il fait cuire son case. Hein? Mais c'est une première, moi, pas eu le temps, excuse-moi. Mais bon, après, là, dit comme ça, un pas de cochon le soir, il prend un peu le temps pour cuire. Voilà. Hein? Et bon. Pas de cochon, quand il fait cuire en deux fois, le meilleur la deuxième fois quand tu réussis. Ben, mais connais, bon, il fait deux fois, comme ça, dit Marie aussi, en deux fois, il est le meilleur. Famille Mélodie a dit ça, si tu connais, tu fais deux fois. On connaît la chanson, hein, on connaît Famille Mélodie, deux fois. Et là, on l'a fait cuire deux fois. Deux fois. Alors, ça, c'est un carré créole, ça. Un carré créole, comme ma maman, il faisait longtemps. Mais c'est quoi le petit secret qu'on la mettre dedans? Ne dis pas, Jean-Claude, goûte avant. On a ce gré alors. Oui. On a des secrets, mais comme on ne veut pas dire, on a des regrets de dire ces secrets-là. Donc voilà. C'est pour ça que c'est des secrets. Et Madiaou, d'autres oreilles que moi, mis dedans. Les bons. Les bons. Les bons. Bon, mais là, ça va chauffer. On va mettre un petit peu de truc vert dessus là. Les oignons verts seulement, on la mettre. Hein? Ouais, ouais. Ben, les bons. Ben, dans un instant, on nous mange là, non? Ben oui, elle est prise là. Il ne faut pas les refroidir là. Elle est bonne. Elle est bonne, voilà. Il mettait à côté, hein. Il est parti. Ben, Mathé connaît que la télé, c'est l'art de faire croire. Là, si il ne dit pas de monde, il a calculé le pâte cochon, il fait la même gage dessus de feu de bois et tout ça. Hein? C'est pas ça, c'est pas ça. Il bouillonne dedans. Dis ça, t'es fait. Hein? Il colle la viande. Mais c'est quoi, il veut dire fait coller là? Il fait bien cuire, fait bien coller la viande dessus. Ah bon? D'accord, d'accord. Les bons. Bon, ok. Impeccable. Et bon. Je vais raser le doigt. Les bons. Allez. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Va comme très toujours, bien. Comme elle est ici, hein. Ça va trop bien. Ah, ça va très bien. Vous l'avez vu, nous a fait un petit légume ici, hein, un petit massalé légume, ça. Alors, ça, légumes. C'est pour un légume, pour ça que Léon Carême. Oui, non. Alors, non. Si, nous, on a quelqu'un, les véganes ici, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de ni poisson. Explique à moi, hein. Dis-moi, vous connaissez, on a crème de jour, crème de nuit. Ouais, ouais. Ben, on a carême de jour, carême de nuit. Ah, mais Pémoul, c'est carême la journée. Ah, oui. Voilà, mais là, c'est un carême de nuit. C'est un carême de nuit, alors. Voilà. Voilà, d'accord, alors. Ok. On m'a salé, hein, carrément m'a salé. Hein? Voilà, voilà. Alors, sinon, bonsoir, ça va? Oui, alors, croisé de chemin, ça va bien? Oui, ça va, croisé de chemin, mes rencontres de monde, nous casse-casse un peu les cuits. Là, ouais. nous viennent créer un nouveau monde pour les croisés de chemin. Oui. C'est-à-dire un monde, disons, un peu imaginaire, créole, que. Il voit de moins en moins. Hein. Donc, on essaie de remettre les images avec les techniques d'aujourd'hui, ouais. Mais des plaisirs d'hier. Ah bon? Des grands plaisirs d'hier. Ah, comme marrant, technique d'aujourd'hui avec les plaisirs d'hier. Voilà, hein. Ouais. Voilà. Ouais. Hein, les gars, il y a ça là. Ben, disons que mieux ça y amuse à moi déjà en premier, oui. En espérant que ben, ça y amuse d'autres mondes. Bien sûr. Que nous partage. D'accord. K2EC, croisé de chemin, croisé chaque chemin. Semaine sur Canal Austral. Toutes les semaines, mieux essaye en tout cas, ah ouais. De tenir le challenge. Voilà. Mais des fois, elle est dure. Hein. M'y connais. Ouais, dire, ouais, parce que tu as 15 minutes là. Ah ouais, tu as 15 minutes par semaine, les yeux. Ah, ouais, ouais, il faut aller chercher le faut sujet. Aller hein. Rider, il faut traiter, il faut. Monter, il faut bon. Ah, mais bon, ouais. C'est gaillard. Bon, on l'a habitué là-dedans, de toute façon. Disons, mais il fait plaisir à moi de faire. Voilà. Je suis content de faire. D'accord. Hein. Et après, nous partage. Mais voilà, nous partage. Comme voilà. Ce soir, nous partage le repas. Ce soir. Partage. Il paraît qu'on a un takari à soir. Ah, on a la pâte cochon, on a un rougail saucisse poulet, on a un rougail saucisse porc, on a un rôti coq, on a des légumes en massalé. Voilà, beaucoup de choses. Et ouais. Et nous attendons le riz cuit là. De riz dans le cuit. Riz dans le cuit. Ça a toujours été un tracas ici. Ah, ça. Ouais, toujours été. Ça, voilà une affaire que nous pourrions peut-être pousser à un monde à inventer. Hein. C'est une machine pour faire cuire de riz. Hein. C'est-à-dire, comme une machine pour faire glaçon, comme elle a. Ouais. Comment arrive votre riz? Ou appuyer dessus, ou mettre deux, comme un cafetière, un format. Il dit, mais il veut deux riz. Deux riz. et après, forcément, il faut faire une machine qui nous gagne retourner pour faire bon le renverser. Ah, d'accord, alors, elle est bon. Ok, François, merci bien. Hein? Merci. Alors, ça va? Oui, ça va. Ça va, alors. Alors, vous connaissez le conseil, ça fait cuire aujourd'hui? Ben oui, on l'a vu à peu près, carré de grand sur les coques. Ouais, non, rôti coque, ougaï saucisse et la pâte cochon. Et la pâte cochon, oui. Et toi, tu manges la pâte cochon, toi? Oui. Toi, c'est comment, ton prénom? Claudia. Claudia? Oui. Tu manges la pâte cochon? Oui. Ah bon, elle est bien, ça, la pâte cochon? Oui. Hein? Moi, j'aime pas. Non, parce que ça fait grossir. Ah ouais. Pâte cochon. Il plaît,
Ou craint plus rien. Ou il craint plus rien. Non, 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 mais on régime, là. Ah, on fait du sport, là. On a commencé la semaine. Ah, on ne voit pas encore les machins, mais dans un mois, tu verras. Ou fait un régime vélo sans sel. Un vélo sans sel. Régime vélo sans sel. On rencontre un petit peu. Besoin, ouais, 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 ouais. Bon, ben, nous retrouvons la prochaine fois, là. Ok, hein? À plus. D'accord, allez, ok. Allez. Marc, c'est un tout plat là, là, hein? C'est comme ça qu'on prend la vie, Marie. Ah oui, c'est comme ça hein? Qu'on prend la vie. Hein? Hein, oui, vous allez gagner, Marc. Hein? Très bien, très bien. Très bien. Très, très bien. Ah, super, alors. Alors là, vous avez un petit peu de tout, alors. Ben, un peu de tout, un peu. Mais le coq, le saucisse, voilà. La pâte cochon, voilà. Les haricots. Le, oui. Hein? Mais rien qu'elle n'a pas goûté. Hein? C'est le légume. Hein? Je vais prendre, je vais prendre. Ah ouais, ouais, un petit massage les légumes. L'estomac, il ne supporte pas. Hein? L'estomac, il ne supporte pas les légumes. L'estomac, il ne supporte pas, alors. D'accord, alors ok. Il n'y a pas la pain. Hein? Pas la pain. ouais. Les bons. Guillaume, les bons, là, ça va où, hein? Ouais, ça va. Hein? Les bons, ok. Hein? Ça va au plat? On dirait qu'il n'y a pas grand chose dedans. Oui, non, c'est bon, c'est parfait. Hein. C'est largement suffisant. Hein. Suffisant? Ouais, ouais. Ah, d'accord, tu tiens la ligne. Ouais, c'est bien. Tu n'es pas comme nous. Les bons, ok, alors. Guillaume, que ça arrive, les bons, que ça. Ah non, le pourquoi fini? Pourquoi fini? Hein? Ça va un instant, alors. Hein? Donc, on arrive pour mettre ses assiettes. Les bons, quand on arrive mettre ses assiettes, alors. Les bons, ok, alors. Les bons. Bien délimiter les places. Bien délimiter les places? Oui. C'est ça. D'accord, alors. Les bons. En fait, là, c'est le premier passage, là. Je ne me sers pas trop parce que. Enfin, effectivement, donner l'impression d'exagérer. Oui. Un faux semblant, quoi. Ouais, voilà. Un faux semblant. Un petit faux semblant. Fadjiz, comment est-ce? Ça va? Le financier va où? Oui. Mais bon, ça va. Ben, nous retrouvons la prochaine fois. On se retrouve bientôt. Très bientôt. Même demain. Demain? Non, mais, ah oui, mais nous retrouvons chaque instant jusqu'à la Loscalou. Tous les jours. Mais bon, ok. Ben, nous disons au revoir maintenant. Non? Bye bye. Nous retrouvons. Nous retrouvons. Allez, à bientôt. Alors, Chloé, ça va? Ça va et toi? Ça va. Là, où tu veux changer de couleur? Oui. Besoin de changement, du tout au tout. Mais bon alors, comme ouais. Ça peut manger donc. Si, mais il fait la queue, regarde tout ça de maintenant. Mi-voix. Les bons alors, ok. Mais nous retrouvons alors. Oui, nous retrouvons. Hein, les bons, bientôt. Et on part malade ou là bientôt? Oui, mais ça va voir l'équipe du Canal Austral. Ah, d'accord. Là, bon, on se tient un peu notre oreille? Ben, bien sûr, mais pas beaucoup. Bien quand, maman, je ne veux pas critiquer. Les bons, ça va. Mathieu, Olive, Alain, Harry. Miu, Harry, oui. Et ben toute l'équipe, toutes les personnes. Voilà. Et puis Mala, si au cas, elle sera là avec nous aussi. Hein? Ouais. Ok, très bien alors. Allez, à bientôt alors. À bientôt. Bye. Petit mot à la fin, comme ça. Petit mot à la fin, oui, bien sûr, oui. Bonne soirée tout le monde. Et semaine prochaine. La semaine prochaine. De toute façon, tous les mardis, soit où il est là, ouais. Tous les mardis, il est là. Oui. Et avec. Comme c'est le cristal, s'il vous plaît. Cristal. Non. Il fait frais ici. Bon, il faut que soyez allés alors, hein.